qu'est-ce qui s'est passé ce matin alors? On a fait du sport avec eux. Mais c'est qui eux? Mais c'est surtout des enfants, non? Oui. Des enfants comme vous, en fait. On est tous des humains. Il y en a aussi qui sont un peu plus comme nous, mais ils sont tous super. Et du coup, c'était sympa de faire du sport avec eux, alors? Oui. Bon. Et alors, qui a gagné? L'équipe 2. Ah, donc c'est pas vous, alors? Bon. Et vous savez ce qu'on dit, l'important? C'est de participer. Participer. Le but, c'est de planifier. Une équipe avec des enfants de 16 ans et aussi des enfants de Spécial Olympique. Ils ont aidé à mettre les dossards, ils ont aidé à enlever les t-shirts, ils ont aidé à jouer, ils ont montré comment passer les balles. Ils ont aussi essayé de parler en arabe, les enfants de 16 ans, c'est un plus pour eux. C'est une journée sportive en fait, le moment avec les enfants malades. On les a intégrés bien sûr avec les enfants normaux. En fait, on a reçu les athlètes de Special Olympics Morocco. C'est un projet qu'on a développé en collaboration avec l'école. Et d'ailleurs, on est ravis que l'école donne la voix aux parents pour pouvoir faire ce genre de projet au niveau de l'école. Et en fait, l'idée, c'est de recevoir des enfants qui ont un handicap mental. Ce sont des athlètes de Special Olympics. Certains d'entre eux vont aller aux Jeux Special Olympiques à l'international. Et ils sont intégrés dans des équipes d'enfants.